Cosmodrome commence ! Depuis l'annonce du retour du cosplay Cosmodrome, nous sommes sûrs que vous avez attendu avec impatience de voir vos personnages favoris prendre vie. L'excitation était à son comble à chaque fois que nous recevions une notification dans notre petite boîte mail. Signe que de potentielles nouvelles photos étaient arrivées. Nous ne pouvons pas décrire à quel point la passion que les cosplayers ont pour leur art nous met en joie, ainsi que pour l'amour qu'ils portent à leur personnage. Cette année fut incroyable et tout le monde a travaillé sur un personnage spécifique. Aujourd'hui, l'attente est terminée. Nous sommes prêts à vous révéler les deux premiers chefs-d'œuvre sur lesquels nos cosplayeuses et nos cosplayers ont travaillé. Cosplay Cosmodrome à venir le 29 mai. Ça tombe bien, on est le 31. Allez, c'est parti. Kamichan 83, IT pour Italie, en corbeau. Et Ilgritz, alors désolé si j'ai mal prononcé, italien aussi, IT, en Cade 6. Kamichan 83 et Ilgritz sont un couple et ils nous viennent tout droit d'Italie. Ils ont commencé à jouer à Destiny ensemble en 2015. Nous sommes fiers du résultat pour le costume de Cade 6. Ilgritz portait vraiment bien ce personnage et il était très à l'aise pendant les séances photo, au point où il n'arrêtait pas de me répéter « Comment va ta sœur ?» toutes les 5 minutes. Créer le cosplay du corbeau était un vrai défi. Ce costume est vraiment différent de celui de Cade 6. Il y a eu un moment amusant pendant la préparation du cosplay du corbeau. Enfin, amusant maintenant, parce que quand c'est arrivé, nous sommes plutôt passés de la panique au désespoir. Nous n'avions pas prévu d'attacher plus de 1200 écailles à la main. Alors nous avons donc pensé à les coudre. Mais la machine à coudre ne s'est pas montrée coopérative et nous avons abandonné. Nous avons donc été forcés de les coudre à la main quand même. 1200 écailles à la main, une par une. 1200 écailles à la main, les enfants. Deux mots. Force et volonté. Au final, j'ai vraiment aimé le processus de création du costume et j'ai même développé un lien avec le corbeau. Ce qui veut dire beaucoup pour moi, qui suis fan de Cade 6 depuis 2015. Si vous avez joué à la dernière mission de la saison du vœu, vous avez peut-être déjà aperçu le retour de ce duo iconique. Accueillez Kamichan 83 en corbeau et Ilgritz en Cade 6. Juste magnifique. Enfin, je veux dire, il y a tout dans cette photo qui est génial. Le cadre est super bien, enfin, ça rend vraiment nickel. Ruines, terre, cosmodrome, on peut imaginer, évidemment, là c'est pris en Italie, mais bon, par rapport au jeu, évidemment, je parle. Enfin, l'ambiance qui s'en dégage, elle est excellente. Les cosplays, alors, je n'en parle même pas, de toute façon, on va les voir plus en détail. Mais là, juste, cette scène, je le rappelle, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, les enfants, c'est issu donc de la dernière cinématique, justement, qui fait la corrélation entre la saison actuelle et la nouvelle année de Destiny 2, où, justement, eh ben, en fait, le corbeau se retrouve face à face avec Cade 6. Et du coup, inutile de dire à quel point justement eh ben, cette pause, cette séquence est assez ironique hein, quand on y pense, hein, puisqu'on rappelle qu'à la base, eh ben, c'était le corbeau qui était debout et c'était Cade qui était à terre. Franchement, excellent, excellent. Tout y est. L'inspiration, le cadre, la dimension, les proportions. Enfin, pour moi, l'image me parle. Je vois la cinématique quand je vois cette photo. Mais attendez, c'est pas fini. Forcément, qui dit ancien ennemi dit nouveaux amis, la poignée de main salutaire, quand justement Cade donne, enfin, tend sa main pour relever justement le corbeau. C'est juste deux mains, mais ça signifie énormément. Et justement là, on peut déjà commencer à voir certains détails, comme par exemple au niveau de la peinture, les ombres, les matières aussi utilisées, c'est très bien représenté. Et surtout là, par exemple, bah, on peut voir justement pour Kamichan, justement, les 1200 écailles. Et ben là, vous en avez un petit aperçu justement au niveau donc normalement de son bras gauche, si je ne me trompe pas. 1200 ou 1500? Attendez, je ne me rappelle même plus. 1200 écailles. Pouah. Et évidemment, sur le bras droit de Cade, on reconnaît évidemment les motifs d'as pour l'as de pique, évidemment. Alors ici, je suis vraiment désolé si ça rendra pas énormément bien en termes visuels, mais il faut bien comprendre que vu que ça a été fait par un photographe, de plus je pense que c'est un photographe professionnel quand même quand on voit la qualité des images, forcément vu que moi j'utilise avant tout un logiciel de montage vidéo, pas de photo, là forcément au niveau du cadrage, bah ça va un petit peu faire son petit bout de chemin, je vais dire ça comme ça. Donc possiblement ce que vous verrez à l'écran les enfants ne sera peut-être pas complètement représentatif de la qualité photo de l'image. Mais de toute façon, pour ça, je vous mettrai bien évidemment le lien de cet article directement en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à aller les voir et à cliquer sur chaque image
parce que le niveau, mais vraiment le niveau de détail est juste mais oufissime. Je fais une mini parenthèse très rapide ici les enfants en termes de cosplay. Forcément, vu que Kami-chan est une femme et que le corbeau est un homme, et ben dans le jargon du cosplay, en fait, on appelle ça du crossplay. Alors en fait, ça n'a rien à voir évidemment avec le crossplay cross-platform, Xbox, PlayStation, ordi, machin, PC Master Race, tout ce que vous voulez. Non, non, crossplay, c'est par exemple, je sais pas, je vais prendre un personnage au hasard. Qui je vais prendre au hasard? Ivy de Soul Calibur, par exemple. Bah, si vous êtes un homme et que vous voulez faire Ivy de Soul Calibur, alors déjà, bon courage. Et ensuite, bah, du coup, si vous le faites, ce sera un crossplay. Crossplay, c'est quand vous passez de votre sexe opposé par rapport justement au personnage que vous voulez incarner. Et si moi, par exemple, un jour, j'ai envie de faire un cosplay de, je sais pas moi, au hasard, Mara est sauvée, eh ben, ce sera aussi du crossplay. Pourquoi? Parce que bah, Mara est sauvée, justement, bah, c'est une femme et moi, je suis un homme. Donc, crossplay. Voilà, fin de la petite parenthèse cosplay. Alors ici, je pense que le photographe a dû utiliser soit des filtres ou alors soit des... Alors je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, désolé. C'est les lampes que vous pouvez... Enfin, où vous pouvez leur donner justement des couleurs aléatoires. Enfin, aléatoires. Rouge, bleu, vert. Bon, ici, on est plutôt sur une teinte... Alors désolé, hein, je suis nul en couleurs. Violacé très clair. Mais là, justement, j'adore l'expression de Kami-chan parce que c'est vraiment... L'air, on va dire, hautain, déterminé, mais aussi, bah, du coup, complètement déshumanisé du Drensov, justement, quand il va pour, entre guillemets, exaucer son souhait, son vœu, avec justement le morceau du voyageur, les déchus, qui deviendront ensuite les infâmes, enfin bref. Je vais pas refaire toute l'histoire, mais je trouve vraiment que cette image, en fait, elle rassemble toute cette cinématique où justement on a vu Uldrensov en fait tomber au fur et à mesure dans la folie. Et je trouve ça franchement super, super bien réalisé. J'ai absolument rien à redire sur cette photo. Juste nickel. Autre petite parenthèse très rapide. Rappelez-vous, c'est exactement ce que nous a dit le corbeau, donc alias évidemment Uldrensov. Il regrette les actions qu'il a fait dans le passé, mais par contre, il ne regrette pas les raisons qui l'ont poussé à faire ces actions. Et personnellement, là-dessus, que le premier ou la première me jette la pierre si il n'essaierait pas de tout faire, tout ce qui est possible de faire dans l'univers, juste pour revoir quelqu'un qu'il aime. Là, en l'occurrence, c'était juste un frère qui voulait revoir sa sœur. Une fois encore, rien à redire. L'expression au niveau du visage, donc là, on est plus passé justement sur le corbeau. On peut voir justement aussi l'arme iconique, hein, le rapace noir. Et on revoit bien ici encore un peu plus en détail justement les 1200 écailles. Là, vous le voyez bien, elles sont toutes bien mises. Alors, entre guillemets, comme il faut, hein, pour que ça fasse bah, comme dans le jeu. Mais ouais, mais juste... ça a dû leur prendre un temps. Mais de ouf! Mais de ouf! Enfin bon, puis au niveau des yeux, bah, nickel. Forcément, on arrive sur Cade, et là, comme je disais tout à l'heure, les décors font que on y croit, justement, à mort. Là, franchement, moi, j'ai l'impression de voir un bâtiment, justement, du cosmodrome. Les bâtiments abandonnés, justement, de l'âge d'or, par rapport à quand on allait dans l'espace, conquérir l'univers, enfin bref, l'univers, la galaxie, je sais plus, enfin bref. Destin, ça remonte à loin, quand même, hein. Mais ouais, franchement, les niveaux de détails, et justement, tiens, en parlant des niveaux de détails, un truc tout con, rappelez-vous des images précédentes, les yeux de Cade. Là, actuellement, il a les yeux brillants. Alors, normalement, je ne pense pas que ce soit un effet du photographe, parce que si vous vous rappelez des images précédentes, il n'avait pas les yeux luminescents. Là, par contre, il les a luminescents. Donc, je pense qu'il doit y avoir un système à l'intérieur du casque avec probablement des LED. Bon, j'en ai déjà vu en convention, hein, ce genre de système. Franchement, si vous trouvez que c'est classe en photo, les enfants, dites-vous que si vous l'aviez en face de vous, ah mais, vous seriez mais bluffé. Bluffé. Et on retrouve évidemment l'as de pique sur l'épaulette gauche. L'as de pique, Cade, CQFD. Là justement, on voit un peu plus en détail quand même au niveau des yeux. Comme je vous disais, je pense que ça doit être un système de LED. Mais franchement, mais ça rend mais super bien. Regardez au niveau du casque en lui-même, quoi. Je veux dire, les traits, les pattes, entre guillemets, la mâchoire mécanique, la bouche, la corne. L'espèce de bandeau frontal, enfin, le niveau de détail, quoi, c'est ça. Et puis même, regardez au niveau de l'armure, regardez au niveau du torse, ça fait vraiment usé. C'est... Ouais, tu te dis, le mec, après avoir bourlingué dans tout le système,
Bah ouais, l'armure elle peut pas être propre. Donc bon, nickel, nickel. Je sais pas combien de fois j'ai dit nickel dans cette vidéo, mais nickel. Nous n'allons pas prendre parti pour dire quelle relation est la plus compliquée entre le corbeau et Kate 6, ou bien Roméo et Juliette. Mais une chose est sûre, Camichan 83 et Ygritte ont su donner vie au corbeau et à Kate 6, le tout dans un magnifique cadre italien. Nous sommes vraiment reconnaissants du travail incroyable réalisé par ces cosplayeuses et ces cosplayeurs, ainsi que pour leur travail et pour leurs photos. Si vous aussi vous êtes fan de Camichan 83 et Ygritte, n'oubliez pas de les suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Camichan 83 sur Instagram, Twitter, X, Facebook et TikTok. Et enfin, Ygritte, vous pourrez le retrouver sur Instagram. L'heure est à la création! Et ce n'est que le début, gardien! Nous avons encore beaucoup de choses à vous montrer au cours des prochaines semaines. Cet article sera mis à jour chaque semaine jusqu'au 26 juin. Ah, il y a quand même pas mal de semaines là. Intéressant. Nos prochains invités sont des piliers de la tour. Et ce sera avec Zavala par Solomon Taïsa, ou Taïsa, désolé, qui nous vient tout droit du Japon, et le seigneur Shax lui-même par Anria, qui nous vient d'Espagne. Victoire imminente, gardien! Rendez-vous dans le Cosmodrome. Vous vous sentez d'humeur créatrice, vous aussi? Pas de problème. Nous avons récemment ajouté un kit de référence pour le témoin à nos références pour artistes. Comme d'habitude, assurez-vous d'inclure les hashtags Destiny Cosplay et Destiny 2 Art à tout contenu que vous publierez. Nous sommes toujours friands de vos créations. C'est tout pour le moment. On se voit la semaine prochaine. Bungie. Quant à moi, je vous mettrai différentes photos justement de moi en cosplay de mon chasseur issu tout droit de Destiny 1. Alors pour ceux qui ne reconnaîtraient pas la référence, c'était au niveau de la Nouvelle Monarchie. Rest in peace, hein, les factions dans Destiny 2. Mais bon, on n'est pas du tout hein, sur le même niveau. Hein, évidemment, là, moi, c'était très très amateur. Hein, j'ai acheté des trucs à droite et à gauche. Par contre, le gilet que vous voyez sur moi, c'est authentique. C'était un vrai gilet de l'armée. Ouais. Je déconne pas. En même temps, je l'avais trouvé qui traînait dans un couloir. Hein, donc bon. Eh, comme on me l'avait dit à l'époque, pas vu, pas pris. Vu, pendu. Eh, si je vous parle, c'est que j'ai pas été pendu, hein. Ah, enfin bref. Par contre, je sais plus du tout ce que j'ai fait du cosplay. Même l'arme, la Hog A3, si je me rappelle bien. Je sais même plus ce que j'en ai fait. Après, évidemment, ce qui est cool justement dans le cosplay, bah, c'est que vous pouvez vraiment donner vie à vos personnages. Donc là, par exemple, bah, c'est l'émote montrer du doigt, hein, le truc basique dans tous les jeux vidéo. Mais bon, voilà, ça permet de faire des petites mises en scène assez drôles, assez rigolotes. On se marre bien en convention. On se marre bien. Donc là, par exemple, bon bah oui, elle s'était pété la papatte il y a de ça. Elle m'avait dit, je crois que c'était la veille ou deux jours auparavant. Donc bon, elle a quand même tenu à venir. Donc je lui ai demandé si c'était possible de faire une pause avec elle. Et bah forcément, j'ai fait l'émote s'asseoir. Pareil, hein, cette émote, je l'ai gardée depuis le début de D1. Et donc forcément, vers le bas, bah, touche du bas. Waouh, quelle originalité! Enfin bref, demandez aux gens, demandez aux cosplayeuses et aux cosplayeurs leur avis s'ils veulent bien prendre une photo. Ça mange pas de pain et 99% du temps, ils vous diront oui, ils le veulent bien, mais c'est juste qu'on apprécie le geste. Du coup, j'ai oublié mon autre parenthèse. Je me suis complètement perdu. Je suis à l'arraché. Bon, enfin bref. Quoi qu'il en soit, oui, si vous voulez vous lancer dans le cosplay, lancez-vous. Et voilà les enfants, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Dest 2. D'ici là, portez-vous bien. Plus.